Shalom, shalom au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi, nous lisons le texte de Nombres, le chapitre 23, le verset 23 qui dit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Il ne peut rien contre toi ». Il ne peut rien contre toi. L'Éternel des armées annonce ici au peuple d'Israël que l'enchantement, c'est-à-dire la sorcellerie, la divination, les œuvres maléfiques contre Israël ne pourront pas, n'est-ce pas, avoir la victoire. Hier, nous avons vu que notre Dieu dit que s'il t'avait frappé, s'il t'avait humilié, il ne le ferait plus. Aujourd'hui, nous voyons que s'il y a eu des enchantements, des divinations, des esprits impurs, les démons qui ont eu à proclamer des paroles contre toi, la Bible dit, ils ne pourront rien. Les divinations, les incantations, les consultations maléfiques, les adorations des dieux étrangers, la Bible dit que cela ne pourra rien contre toi. Bien-aimé, tu t'appelles ce matin Jacob, tu t'appelles ce matin Israël, le peuple choisi, le peuple élu de Dieu. Et si des gens ont fait des consultations, ils ont envoyé ta photo quelque part, ils ont pris ton habit pour emmener quelque part, pour pouvoir te nuire, la Bible dit que cela ne pourra rien te faire. L'Éternel te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Ne crains pas la sorcellerie, ne crains pas les esprits impurs, ne crains pas les sacrifices, les fétiches, ne les crains pas. L'Éternel te donne la victoire ce matin même au nom de Jésus-Christ. Ne crains pas que le sorcier puisse te créer un accident ou la mort. Non, tu as la victoire. L'Éternel dit, ils ne pourront rien contre toi. Ils ne peuvent rien contre toi. Parce que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ te couvre et te lave. Parce que Jésus a porté tout à la croix. Et il te donne ce matin la victoire sur les démons, sur les esprits impurs. Tu les as vaincus au nom de Jésus. Toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Désormais, dis avec moi qu'ils ne pourront rien contre moi. Non, ils ne pourront rien. Ils ne pourront que parler. Ils ne pourront que imaginer ta chute. Mais cela ne t'arrivera pas parce que l'Éternel est avec toi au nom de Jésus. Amen. Prions. Père, tu dis que l'enchantement, la divination ne peut rien contre Jacob, contre Israël. Ce matin, nous sommes Jacob, nous sommes Israël. Les gens souvent font des incantations dans le but de nous faire tomber. Les gens font des sacrifices, ils mettent des fétiches nos roues dans le but de nous faire tomber. Ce matin, nous annihilons nos œuvres, nous brisons et détruisons les œuvres. Nous déclarons qu'ils ne pourront rien contre nous. Nous avons la victoire au nom de Jésus. La victoire est dans notre camp au nom de Jésus. Éternel des armées, nous prions également afin que tous ceux qui sont sous ces enchantements, qui sont manipulés par les esprits impurs, le feu de l'Éternel les libère. Éternel des armées, tu les libères au nom de Jésus-Christ. Ils ont la victoire. Ils sont délivrés au nom de Jésus. Je prie, Éternel des armées, afin que ta présence nous inonde, que ton onction nous inonde, que ceux qui ont voulu nous faire du mal ne puissent pas avoir la victoire. Ce matin, Seigneur, je prie pour notre journée de vendredi. Oui, tous les déplacements sont entre tes mains. Je prie pour notre week-end. Tous nos déplacements, nos projets sont entre tes mains. Père, je t'en supplie, que ta paix soit sur nous, que ta présence soit sur nous. Accompagne-nous et sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour nos familles. Merci pour nos familles que tu gardes, pour nos familles que tu protèges, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. À toi seul soit la gloire, à toi l'honneur. Ce matin, je vais prier particulièrement pour tous ceux qui vivent des situations difficiles dans leur foyer, tous ceux qui sont au bord du divorce, dans les disputes interminables. Père, je prie que tu apaises leur foyer, que tu apportes la paix dans leur foyer au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des difficultés dans leur foyer, Éternel, je t'en supplie, apaise-les et rends gloire à ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous. On va se retrouver dès lundi à partir de 5h30. Shalom.